les amis du bar qui demandent de s'asseoir, s'installent. Le bar va fermer le temps du travail de nos amis, dont nous allons profiter avec grand plaisir. Et nous reprendrons évidemment les hostilités au bar dès la fin. Bon, donc juste un mot pour la Carmagnole. Déjà vous dire que pour nous c'est quand même un grand moment, dans le sens où c'est la réouverture de la Carmagnole et c'est la première soirée où nous faisons en présentiel. Ça dépendait pas que de nous. Hein. Vous avez remarqué, il y a une pandémie, c'est un peu compliqué tout ce qu'on doit faire et tout ça. Mais en fait, en tout cas, on a souhaité participer à tout ce que nous avons pu faire. Et là, ce soir, on arrive à redémarrer. Donc, si jamais vous manquez de masques, vous avez remarqué qu'il y a d'excellents masques de la Carmagnole. Et voilà. Donc, bon, c'est la reprise ce soir. Alors, c'est à la fois une soirée dans le cycle que nous avons commencé maintenant il y a un moment, sur la commune de Paris. Alors, il y a Marc qui renverse les verres. Donc ce soir, quand même, c'est le 28 mai, c'est la semaine sanglante. Donc nous allons avoir, dans un premier temps, Sylgane et Philippe qui vont chanter la semaine sanglante. Alors, si vous avez bien remarqué, vous avez un petit papier sur vos chaises, ou que vous pouvez trouver facilement, puisque vous allez être totalement invité et fermement invité à reprendre le refrain avec toute la salle et ensemble. Donc ça c'est bon. Donc il y aura Sylgane et Philippe qui vont commencer tout ça. Ça part à peu près 5 minutes. Vu les gens qui sont dans la salle, vous avez déjà entendu voir chanter cette chanson quelques fois. Ensuite, donc il y aura Claude et Denis qui vont nous faire une lecture de lettres de communards. Voilà. Alors, nous tenons à les remercier, Claude, Denis, Philippe, Sylgane, d'être venus pour animer cette soirée, continuer ce cycle que nous avons commencé. Bon. Je remercie aussi Cola qui nous a permis de rencontrer Claude et Denis. Par ailleurs, ce que je dois dire, c'est que Claude et Denis, là, c'est, c'est une première partie. Je ne sais pas comment il faut le formuler. Ils l'expliqueront eux-mêmes d'une manière plus précise. Mais ils nous présenteront un spectacle complet dans cette salle. Nous espérons que nous allons pouvoir, à l'automne, avec, disons, qui doit être totalement. Donc, puisque là, on va avoir 5 minutes, 35 minutes, 40 minutes à peu près. Voilà. Donc, pour celles et ceux qui ne nous ont pas vus, vous pouvez retrouver tous nos débats et animations quand même du cycle de la commune que nous avons organisé avec donc un premier avec Quentin de Luermoz, un deuxième avec Éric Lafont, un troisième avec Mathilde Larère et Loa Valat. Vous avez rendez-vous le dimanche 13 juin à la salle Rabelais où nous aurons à nouveau Éloi Valat et Ludivine Vantini pour un débat autour de ces questions et cette fois-là dans une salle en présentiel. Et je signale aussi qu'il y a quand même deux expositions que vous pouvez voir. Une qui est en particulier, je m'adresse aux profs d'histoire et autres, qui est sur la place à l'Esplanade. Et il y aura une deuxième expo avec une très belle affiche d'Éloi Valat à Pierre Vive qui va commencer le 15 juin et qui se terminera. Non, oui, qui commence le 15 juin et qui se termine. 31 juillet. Voilà. Celle de l'expo qui est à l'Esplanade doit se terminer vers le 6 juin. 4 juillet. Voilà. Donc nous en sommes là. Donc écoutez, alors. Deux recommandations strictes et très importantes, c'est que vous éteignez vos portables pour qu'il n'y ait aucun problème de stupide et autres qui fasse que ça brouille le travail de nos amis. Voilà, donc écoutez, moi c'est tout ce que j'ai à vous dire.
je souhaite une bonne soirée, je vous remercie encore et on va commencer avec la semaine 5. Donc vous êtes invité à chanter les refrains. Sauve des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Par histoire de la misère, les heures mêmes sont tremblants. La mode est au conseil de guerre et les pavés sont tout sanglants. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Tout ce qu'on rend.
peuple collier de misère sera-t-il donc toujours privé? Sous Satan, les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusque à quand la sainte clique nous prendra-t-elle un vil bétail? À quand enfin la république de la justice et du travail? Chaises au centre, hein, si vous voulez. On se rapproche. Oui, oui, vous pouvez vous rapprocher. Bonsoir à vous, donc, et on est très content de votre présence. Ici. Merci à la Carmagnole pour l'accueil, pour l'accompagnement, vraiment. Nous sommes le 28 mai, donc il y a 150 ans jour pour jour. La Commune de Paris prenait fin, c'était le dernier jour de la semaine sanglante qui se terminait au cimetière du Père-Lachaise. Des milliers d'hommes et de femmes se sont vus condamnés à la déportation en Nouvelle-Calédonie. L'amnistie a été votée en 1880, elle a permis le retour des survivants. Donc ce soir, à travers la lecture chronologique de ces lettres qui ont été soit égarées, soit retenues par la censure et dont la plupart n'ont jamais été lues, nous souhaitons donner sa place à la petite histoire dans la grande. Nous avons joint à ce corpus de lettres trois textes, un extrait du journal d'Achille Bayer, un extrait des mémoires de Louise Michel et un extrait du livre de Prosper Olivier de Chagaray sur le retour des communards. Jean Bardet, cellier bourrelier, engagé au 90e bataillon de la garde nationale, condamné à 5 ans de déportation simple dans l'île des Pins. Juliette Jean, couturière à Bordeaux, prise avec un fusil, condamnée à 18 ans en enceinte fortifiée à Ducos. Jules Balix, fontainier, membre du gouvernement communal, condamné à 10 ans au bagne de l'île Nou. Marie-Catherine Rogissard, fileuse, porte-drapeau du bataillon des femmes, condamnée comme pétroleuse à 7 ans de travaux forcés à l'île Nou. Pierre Segard, ramoneur, lecteur de textes révolutionnaires à l'église Saint-Roch, condamné à 10 ans de déportation simple dans l'île des Pins. Louise Desfosses, chapelière, cantinière du 23e bataillon, condamnée à 15 ans de déportation en enceinte fortifiée. Octave Soupeau, écolier,
surveillant d'otages, condamné à 20 ans au bagne de l'île Nou. Journal de bord d'Achille Balière, membre du comité central de la commune, condamné à la déportation simple, évadé le 21 mars 1874 avec le groupe de Rochefort. Il écrit « À 4 heures du soir, on nous embarque et nous quittons bientôt cette rade de Brest. Dans un petit cotre, à côté de notre bateau, se trouvent les femmes de quelques déportés. Elles appellent, elles crient des noms. Leur détresse me laisse indifférent. Toute mon énergie s'est épuisée dans les adieux avec mes camarades. On nous entasse dans la batterie haute, dans des cages faites de barres de fer et de madriers. Il y a peu d'air et pas de lumière, et sa bord est enfermée à cause des vagues. Nous gagnons la haute mer, tout le monde est malade. Nous quittons l'Europe et nous avons touché le Cap Vert au Sénégal. Nous avons mis le cap sur l'Amérique et nous sommes arrivés au-dessous du cap de Bonne-Espérance. Pour se distraire, les officiers tirent des coups de fusil sur les poissons. Ces détonations me rappellent les exécutions sommaires de Paris et un cri monte de toutes les lèvres « Vive la République !» Nous traversons le détroit de Basse pour arriver en pleine Océanie. 5 mois et demi de voyage rend notre groupe muet et agressif. Toute foule qui souffre est implacable. À quand le retour? En arrivant à Melbourne, nous avons remis nos lettres cachetées, confiant dans la parole du commandant qui nous l'avait autorisé au départ de Brest. Il les a fait ouvrir, il les a lues, peut-être gardées. On dit que les missives qui ne sont pas envoyées portent sur l'enveloppe la mention « Lettre retenue ». Paris, le 2 septembre 1872. Monsieur le directeur, mon mari se nomme Mangeon, Henri-Étienne. Il est du département de l'Yonne. Il a été condamné par le 3e conseil à Versailles, le 24 novembre 1871, à la peine de déportation simple. Il est parti le 9 août sur le Fénelon, à destination de la Nouvelle-Calédonie. Et je reste seule avec 2 de mes enfants jumeaux, âgés de 3 ans et 4 mois. Je n'ai que mon faible travail pour les élever, et je trouve le fardeau bien lourd pour une pauvre femme déjà accablée de chagrin et de privation. Je désire faire une demande pour suivre mon mari, femme Mangeon, département du Nord. À bord du Fénelon, le 1er août 1872. Ma chère femme, je t'écris de la grande mer. Cette lettre sera mise à Melbourne, a dit le commandant. Je me porte bien, le mal de mer ne m'a pas encore attaqué. Tu m'enverras mes pantoufles, je te prie. Tu me feras connaître tes intentions. Si tu veux me rejoindre, n'envoie pas les pantoufles, viens avec. Informe-toi bien sur les objets que l'on peut emporter et ne te fais pas de mauvais sang puisque notre sort est dit. Il faut se résigner. Ne te mets pas en retard pour me rejoindre. Je pense aux enfants. Je t'embrasse de tout mon cœur, Auguste. Cette lettre est une des rares qui est arrivée à sa destinataire et qui répond. Paris, le 14 décembre 1872. Et mon Dieu, que veux-tu que je fasse là-bas dans cette jungle? Crois-tu que les enfants seront à leur aise avec la pauvre santé qu'ils ont déjà ici? Je suis à présent femme de journée chez un marchand fruitier des Halles qui me donne 1 franc par jour et la nourriture. Mais je lui ai dit que tu étais mort, vu qu'il jure contre la commune et le mal qu'elle a fait au pays. Je vais tâcher de t'envoyer un peu d'argent, car tes pantoufles, je les ai vendues. Si cela allait mieux, je verrais pour venir. La petite te demande beaucoup. Et ton fils, je le tiens plus. À 15 ans, il est comme un furieux. Je veux mon repos. Je n'en peux plus de cette misère. Ta femme, Marie-Jeanne. Voilà une histoire concernant la famille Gaillard qui s'étale sur plusieurs années. Elle commence en 1873 par une lettre du ministère de la Marine. Ministère de la Marine, Paris, novembre 1873. Monsieur le directeur,
le sieur Gaillard Eugène Jean-Baptiste, déporté à la Nouvelle-Calédonie, demande que son fils Pierre, âgé de 3 ans, soit autorisé à aller le rejoindre. La femme Gaillard, Adeline, mère du condamné et grand-mère du petit, ayant déclaré que cet enfant avait été recueilli par l'assistance publique, je viens vous demander si vous voyez un empêchement à accéder au désir du déporté Gaillard. France, le 24 août 1874. Mon cher fils Eugène, oui, c'est ta mère qui t'écrit. Voilà 1 an ce mois-ci que je n'ai reçu de tes nouvelles de Calédonie, quand j'ai eu un avis du ministère de la Marine disant que j'avais une lettre de toi. Je n'ai pu en avoir le contenu. Tu avais mis des choses mal. Les messieurs m'ont dit que tu te portais bien, que tu me disais bien des choses et que tu demandais des nouvelles de ton petit garçon. J'ai 65 ans. Il faut que je travaille encore. Nous avons encore ton enfant à élever. Tu penses que je ne pourrais pas me reposer de si tôt. Je te dirai que nous avons ton garçon depuis le mois de mai. Il était très bien en nourrice et ça leur a fait de la peine quand nous l'avons retiré. Et le petit se plaisait bien aussi, car les premiers jours qu'il était chez nous, l'on voyait que ça lui faisait de la peine quand il parlait de sa nourrice à ton père et de ses camarades. Il parlait patois et ton père parlait avec, car il connaît ce patois. Ce petit est très intelligent. Il parle bien, c'est tout à fait toi. Il a la figure et toutes les manières. Il parle très souvent de toi. Sa nourrice nous écrit souvent pour savoir de ses nouvelles. Je n'ai pas eu le temps de la voir. Quand il est arrivé chez nous, il n'avait rien du tout. Je l'ai habillé en double. Il ne savait pas que me dire de se voir si beau. Tu penses que ça nous a coûté beaucoup? J'en ai très soin. Il va à l'école 2 heures le matin et autant le soir. Ça l'amuse. Quant à ta femme, nous n'en avons pas entendu parler. Nous ne savons pas ce qu'elle fait, ni où elle est. Dans tous les cas, qu'elle ne remette plus jamais les pieds chez nous. Je te prie d'écrire de nouveau, que nous puissions recevoir tes lettres, de ne rien mettre dessus. Ça n'avance à rien de te plaindre. Tente d'avoir du courage et de la patience. Conduis-toi bien. Signé Adeline Gaillard. Préfecture de police, le 3 février 1876. Monsieur le ministre, le sieur Gaillard Eugène, déporté en Nouvelle-Calédonie, me prie de lui faire parvenir des renseignements sur le compte de sa femme, la nommée Marie-Louise Darnay, qui avait profité de son absence pour abandonner son ménage et son enfant. Il résulte des informations auxquelles j'ai fait procéder que la femme du pétitionnaire est entrée à l'hôpital de la Charité le 7 mai 1875 et qu'elle y est décédée le 15 du même mois. Signé le préfet de police. Paris, le 12 avril 1876. Monsieur le ministre, il résulte que le fils du sieur Gaillard se trouve auprès de sa grand-mère, qui est intendante chez madame veuve Bischoffheim. Cette dernière, dont la réputation est excellente, donne à l'éducation de l'enfant les soins les plus assidus. Elle déclare en outre, d'après l'avis du médecin, que l'enfant, qui n'est âgé que de 6 ans et dont la santé est des plus délicates, ne pourrait supporter sans de graves dangers un aussi long voyage outre-mer. Signé pour le préfet de police. Fin de l'histoire Gaillard. Paris, le 13 juin 1873. Cher ami, le jour où j'ai reçu ta lettre était le plus beau jour de ma vie. J'aurais voulu que tu nous voies. Tu ne te figures pas combien nous étions heureux. Nous pleurions, nous rions et nous embrassions ta lettre. Et ton petit garçon disait « Allez, petite mère, partons pour aller trouver papa en Nouvelle-Calédonie. » Et ta petite fille, qui n'était pas encore levée, a mis ses jupons à l'envers et elle me demandait « Crois-tu que je suis bien arrangée, petite mère, pour aller trouver papa ?» Nous croyons que le navire qui t'emmenait avait fait naufrage en avant de Rochefort. Tout est arrivé à la fois. Je n'avais plus d'ouvrage, mes 2 enfants étaient malades de la variole volante. Grâce à Dieu, ils ne sont pas marqués et ils se portent bien. Je voudrais être à la place de madame Léobon, qui a été autorisée à partir sur le premier navire. Je finis ma lettre en t'embrassant de tout mon cœur. Tes 2 enfants et moi sommes pour la vie ta femme et tes enfants. À très bientôt, femme Delerue. Aimé Célestin Delerue est décédé sur l'île des Pins le 23 mai 1873,
soit 20 jours avant le départ de cette lettre. Presqu'île Ducos, le 14 août 1874. Ma bonne amie, alors, tu n'as plus ta cousine pour t'écrire tes lettres ? Je suis sorti du cachot en pensant trouver de tes nouvelles. Rien. Veux-tu que je te dise combien ton silence me pèse ? Eh bien là, oui, je te le dis. Je vois seulement ton visage en souvenir pour moi. Mais toi, où es-tu ? La tristesse est dure à vivre ici, sais-tu ? Et ton silence aussi pourtant me convient, car tu t'éloignes de moi et tu te refais une autre vie sans doute. Et mon sentiment est si fort pour toi que je suis à mon aise. Tu sais pourquoi ? Parce que je veux que tu sois heureuse et de te savoir libérée de notre engagement me plaît. Mais tu me connais assez pour savoir combien ne pas avoir une bonne amie à mes côtés me manque. Alors, j'ai connu ici une gentille transportée qui n'a pris que 4 ans. Le suppôt du pape, ce curé Montrosier, nous fait des sermons à n'en plus finir. On se voit en cachette. Vivre ensemble, hors de la morale, nous fait du tort. Il faut donc passer par le mariage. Vu qu'en plus, cela permettra notre installation à Nouméa même, on quittera ce camp de paillotes misérables pour une petite chambre en dur qui nous a été promise sur le port, où je prendrai de l'ouvrage. Je te sers une dernière fois. Donne mes outils à ma mère, Augustin Maff Zenger. Presqu'île Ducos, 3 septembre 1874. Très cher frère, depuis le mois de décembre dernier, je n'ai pas reçu de tes nouvelles malgré tes promesses. Tes lettres ont-elles été arrêtées ? Ah ! Sans doute on se rend coupable vis-à-vis de nous. Mais silence ! Tu ignores, et j'allais oublier moi-même, qu'il nous est enjoint depuis 5 mois, sous peine de sanctions sévères, de remettre nos lettres décachetées à la poste. Pourquoi cette mesure, me diras-tu ? Tu sais bien que lorsque l'on se livre à des excès coupables, on a toujours peur que la vérité apparaisse au grand jour. Il faut donc éviter cet éclat. Alors tout est possible, même l'arbitraire. Il dépeint le 10 avril 1875. Ma chère Jeanne, j'aime à croire que tu conserves mes lettres ainsi que les souvenirs que j'y joins à chaque fois. Lis-les souvent, ma Jeanne, et pèse le fond de chaque phrase. Peut-être auras-tu regret de ta sévérité à mon égard. Sais-je seulement si tu existes encore. À chaque courrier de France, lorsque je vois mes compagnons d'exil toucher les lettres de leur famille, mon cœur se serre. Je ne puis te dire ce que je ressens. Il est de ces souffrances qui ne s'écrivent pas. Extrait des mémoires de Louise Michel. Près de la prison, sur la pente de la montagne, sous une véranda couverte de lianes, était la poste. Les jours de courrier, on montait à l'heure exacte cette côte, avec anxiété. Si la lettre avait été mise en retard, il fallait attendre au courrier suivant. On ne pouvait avoir de réponse à une lettre qu'au bout de 6 à 8 mois, le temps de l'aller et du retour. C'était, à la fin, régulièrement de 6 mois seulement. Oh, mes chères lettres, avec quelle joie je les recevais. Je descends la petite côte, mes lettres à la main, celle de Marie, toute pleine de fleurs, celle de ma mère, où elle m'assure qu'elle est toujours forte. Pour revenir de la poste à la baie de l'Ouest, on suivait le bord de la mer. Une odeur âcre et puissante emplissait l'air. Cela sent bon les grands flots. Assis sur les rochers, les événements nous revenaient, montant comme les vagues. Lettre de Alexandre Bergès, condamné à 20 ans en 1872. Il était sous-chef de personnel à la préfecture de police pendant la Commune. Il est rentré en France en 1879. Cachot de l'île des Pins, avril 1875. Ma bonne et chère mère, tu as peut-être été quelque temps sans recevoir mes lettres. Les derniers événements qui viennent de me frapper ont occupé tous mes instants.
Je t'ai fait part de l'évasion qui avait eu lieu. Les journaux de France t'auront probablement donné quelques détails. Parmi ceux qui tentèrent de s'évader se trouvait un de mes amis, qui demeurait avec moi. Dans sa précipitation à faire ses malles, ce pauvre garçon prit une paire de chaussettes et deux mouchoirs qui m'appartenaient et qui se glissèrent dans ses effets. Il fut arrêté, et sa malle ayant été trouvée, on conclut judicieusement de ces malheureuses chaussettes que je devais avoir fait partie de l'évasion. Un conseil de guerre fut appelé à statuer sur cette grave question, et avec cette haute impartialité, cette indépendance d'opinion qui distingue les conseils de guerre de toutes les autres juridictions, il m'a condamné avec une unanimité toujours touchante à 5 années d'emprisonnement comme complice d'une évasion. Tu le vois, cher Homère, une fatalité bien cruelle me poursuit. Je suis évidemment destiné à passer dans les fers les jours d'épreuve qui nous sont imposés ici-bas. Je ne suis pas sans faire de tristes réflexions pour l'avenir. Tu comprends que, si étant encore dans la jeunesse, je passe déjà 5 ans de prison supplémentaire parce qu'un de mes camarades m'emporte une paire de chaussettes, il est probable que j'en aurai collationné quelques siècles à la fin de mes jours. Mon inquiétude est d'autant plus sensible que je ne puis guère porter mes chaussettes en ceinture de sauvetage ou comme un scapulaire de la Sainte Enfance. Il y a une chose que j'admire par-dessus tout, c'est cette perspicacité des conseils de guerre. À dire vrai, ils y mettent le temps. Ainsi, pour découvrir ma criminalité, ils sont bien restés 3 heures à délibérer. Mais aussi, comme ils se rattrapent, quelle sûreté de coup d'œil, quelle précision dans le jugement, j'en reste confondu d'étonnement. Nous aurons maintenant les chaussettes accusatrices spécialement affectées à l'usage de l'île des Pins et des conseils de guerre du même lieu. Hélas, ma pauvre mère, ils sont bien loin tes rêves de liberté. Il faut attendre à présent qu'une amnistie vienne me la rendre. Si peu sérieuse que soit la nouvelle condamnation qui vient de m'atteindre, elle ne laisse pas que d'être très désagréable. Je suis en prison. On me traite comme un forçat en rupture de ban. Les procédés employés contre nous vont de l'horrible au grotesque. L'homme chargé de nous garder est odieux par son inintelligence. Sa méchanceté hargneuse est bestiale. Il fait notre détention plus douloureuse qu'un bagne. Mais nous sommes trop loin. Il n'est pas de réclamation possible. Où trouver un homme de cœur pour nous écouter? D'ailleurs, qui se soucie de nous, à part toi, pauvre mère, qui vois s'engloutir toutes tes affections? Un peu de courage. Supporte fermement toutes ces douleurs. Qui sait si nous ne sommes pas à la veille de nous retrouver? L'espérance est notre seule richesse. Nous ne vivons que pour l'avenir. N'est-ce point la destinée de tous ceux qui, faisant abstraction des jouissances matérielles, se sont voués à des idées? Adieu, ma bonne et chère mère, ne t'effraie point, je te le répète, et crois toujours à l'amour profond et inaltérable du Fils qui t'aime de tout son cœur. Alexandre. Île des Pins, le 10 avril 1875, devienne Gustave Déporté Simple, numéro 2842, 5e commune. Ma chérie, je t'envoie le croquis de mon habitation d'exil. Elle est construite en terre et en paille. Je l'ai divisée en 2 chambres. La première est ma chambre à coucher, et j'y ai accroché des rideaux blancs découpés dans une chemise, comme chez nous, enfin presque. Face à mon lit de sangle, j'ai accroché un portrait de toi que j'ai dessiné d'après ta photographie. La deuxième pièce me sert de salle à manger, de bureau et d'atelier, et l'ouverture donne sur les cocotiers. Sur le côté, j'ai installé une cuisine avec une cheminée faite en morceaux de rocher. Mon jardin, j'en suis très fier. 3 ans de travail et de beaux résultats. Le centre est rempli de légumes. Sur mon dessin, tu vois ces arbres à larges feuilles. Ce sont des banyans. J'ai aussi des papaliers et de la canne à sucre. Parfois, je troque quelques légumes aux déportés ou aux gardiens pour avoir du papier et des crayons pour mes dessins. En ce moment, on est sous la pression de l'administration qui cherche à éviter l'épidémie des pendaisons. La maladie de se pendre est effroyable.
On en décroche un ou deux par semaine. Aussi, la nuit, je ferme mon jardin. Pas question que mes arbres servent de gibet aux malheureux qui veulent en finir. Je résiste, car depuis que j'ai échappé au traitement du médecin de la santé, je me suis bien promis de ne pas être tué par les médecins de l'administration. Je t'embrasse, Gustave. Voici une lettre de Gustave Marotto, qui était journaliste au journal La Montagne, qui a été le dernier journal qui a paru pendant la Commune. Sa dernière feuille a été imprimée derrière une barricade le 24 mai. Gustave Marotto a été condamné au bagne de l'Île-Noue et il est mort à 30 ans. Île-Noue, 16 mars 1875. Ma mère aimée, je meurs et je t'envoie mon dernier adieu. Tu n'aurais point cru, alors que tout petit, tu me berçais dans mon lit d'enfant, que je finirais ainsi à 6000 lieues de toi sur un grabat du bagne. J'entends encore le juge de Versailles me dire « Allez mourir là-bas, à la guillotine sèche. Ce pays ne veut pas de votre cadavre. » Je meurs et je t'aime. Je meurs et j'ai cette consolation de savoir que la liberté triomphera et que toi, ma mère, ma vieille muse en cheveux gris, me survit pour demander justice et vengeance. Je t'embrasse 10 millions de fois, Gustave Marotto. Paris, le 14 mars 1876. Mon cher fils, nous avons reçu le mois dernier ta lettre de l'an dernier du 28 octobre 1875 contenant ton portrait en parfait état. Seulement, nous ne l'avons pas trouvé ressemblant. Bon, il y a évidemment ta barbe qui te change beaucoup. Et les cheveux que tu n'as plus. Mais c'est égal, tu es très bien. On voit bien que ça est bien fait. Mais tu es tellement changé que nous ne pouvons pas arriver à te reconnaître parfaitement. Enfin, nous ne te trouvons pas trop maigri. Tu n'as pas les joues creuses. Nous avons été très contents de recevoir ce portrait. Ce n'est pas très étonnant que tu ne sois ni blanchisseur ni cuisinier, car il n'avait pas dû t'arriver auparavant de faire souvent la cuisine. Nous avons eu un hiver très rigoureux, mais nous avons depuis quelques jours un temps superbe de printemps. Ni chaud ni froid, et un soleil magnifique. Nous t'embrassons de tout notre cœur. Lettre adressée par ses parents à Monsieur Pierre Soulier, déporté Saint-Ville des Pins, 3e commune, décédé le 16 janvier 1876, soit 2 mois avant l'écriture de cette lettre. Île des Pins, janvier 1877. Chère mère, je dois vous dire que nous avons reçu il y a quelque temps la visite de notre nouveau gouverneur. Depuis un mois, nous mangeons du lard et des haricots, dignes du fumier. Mais pour compensation, on nous a enlevé 5 grammes de sucre et 4 grammes de sel. Autre chose qui ne fait pas rire les bonnes gens préposées à notre garde, quelques-uns ont eu l'audace de s'échapper sur un petit bateau pour acquérir leur liberté. Eh bien, lorsque j'ai appris leur départ, j'ai fait des vœux pour une bonne réussite. Du moins, lorsqu'ils seront à l'étranger, ils pourront, à la face du ciel qui éclaire le monde, lui dénoncer le traitement qu'on nous inflige. Ils diront au monde entier que nous étions plus mal considérés que des forçats, qu'on nous inflige, sous le moindre prétexte, des traitements dignes d'un monde barbare et de l'Inquisition. J'apprends avec peine que la petite Victoria est à l'hôpital. Cela me chagrine de voir qu'une mère ne puisse avoir le nécessaire pour la soigner chez elle. Triste résultat de la pauvreté. Les uns ont trop et les autres pas assez. Je dois accuser réception des 5 francs que vous avez eu la bonté de m'envoyer pour mes étrennes, car ils sont arrivés quelques jours avant le début de l'année, ce qui m'a permis d'acheter 1 kilo de graisse pour fricasser les haricots moisis et aussi pour me procurer quelques feuilles de papier afin de me donner la satisfaction de vous écrire ces quelques lignes. Votre fils qui vous aime, Octave Gerbois. Lettre de Édouard Chamalet, tapissier, déporté simple, 3e groupe, à son patron. Île des Pins, le 28 juillet 1877. Monsieur, vous allez être assurément fort étonné au reçu de cette lettre,
car si j'ai bonne mémoire, il y a bientôt 5 années que je vous ai écrit la dernière. Je fus arrêtée pour une cause toute politique, pour participation à l'insurrection parisienne de 1871. Je fus dirigée sur Versailles et je fus condamnée par le 3e Conseil de guerre à la déportation simple. Vous parlerai-je, monsieur, de ma situation ici ? Non, car pour vous la dépeindre, il faudrait que je vous écrivisse des volumes et je ne veux pas abuser de votre temps. Je vous dirai toutefois que nous sommes excessivement malheureux, que tout ce que les journaux bonapartistes, cléricaux, constitutionnels et autres ont publié à notre égard est absolument faux. Que dans ce jardin d'Armide, dans cet Éden calédonien, il est matériellement impossible de faire quoi que ce soit. Que nous sommes presque sans vêtements. Que nous marchons 6 mois de l'année pieds nus sur une terre qui brûle la plante des pieds. Que nous ne mangeons pas à notre faim. Que nous sommes logés dans des paillotes que nous avons faites nous-mêmes, sans aucun outil, bâties en torchis, lisées boue, et couvertes en paille, comme l'indique leur nom. Voilà, monsieur, un aperçu des souffrances que nous endurons, que j'endure depuis 5 années. Voilà la façon dont nous traite le gouvernement. C'est la mort lente, c'est l'assassinat en détail. Quant à moi, monsieur, je passe le long temps de ma captivité du mieux qu'il m'est possible. Je lis beaucoup d'ouvrages. J'apprends depuis environ 2 années la langue anglaise qu'un député de mes amis, natif d'Amérique, a bien voulu me montrer. Et je crois avoir fait dans cette langue quelques progrès. J'ai beaucoup étudié la langue française, ce qui m'a permis de suivre depuis environ 6 mois un cours de littérature et de rhétorique qu'un autre déporté, ex-répétiteur au collège Henri IV à Paris, m'enseigne. J'apprends aussi la musique vocale, mais je ne suis encore qu'un faible musicien. Vous voyez que j'essaie de me divertir de mon mieux. Monsieur, il n'y a pas ici de fauteuil à faire, et il faut bien passer son temps à quelque chose. Eh bien, malgré toutes ces études, je m'ennuie. Je ne sais quand je sortirai de cette pénible situation. Il y aurait bien un moyen que ma famille et les quelques amis que j'ai en France me conseillent d'employer. Ce serait d'adresser, pour obtenir une commutation de peine, un recours en grâce au président de la République. Mais je ne le veux point. Donc, monsieur, j'attends l'amnistie. Nous l'attendons tous. Mais s'il faut, comme le demandait ce bon monsieur Gambetta, qu'elle tarde encore quelques années, je ne sais si je pourrais en profiter, car je suis très faible et mes camarades sont comme moi. La mortalité, qui juste ici n'avait pas été excessive, commence à devenir effrayante. Le mois dernier, nous enterrâmes 9 de nos camarades en 11 jours. Le cimetière possède déjà plus de 200 déportés. Il y a aussi beaucoup de ces cas de folie. Quant aux suicides, ils sont dans une proportion gigantesque. 14 déportés, tant à l'île des Pins qu'à la presqu'île du Caux, se sont donné la mort par la pendaison. Et M. Gambetta, l'ex-républicain rouge sous l'Empire, qui trouve que l'amnistie n'est opportune qu'en 1880, peut-être ne reverrai-je jamais la France. Post-scriptum, veuillez m'excuser si je n'affranchis pas, mais cela m'est matériellement impossible. Paris, le 8 avril 1878. Mon cher Joseph, je vais te parler d'une chose qui doit te rendre heureux, c'est que la commission nommée pour l'amnistie travaille beaucoup et que cela me fait avoir bon espoir de te revoir bientôt et que tu pourras être heureux. Je te dirai que l'ouvrage ne va pas du tout et que je ne fais pas de brillantes affaires, mais enfin, j'espère que cela viendra. Et que tu pourras te refaire la main dans mon vaste établissement où il n'y a qu'un apprenti, un ouvrier, un patron, le tout représenté par moi-même. Je n'ai pas fait maître de cloche, car mon personnel a sa liberté. Mais assez plaisanté pour le moment. Je te souhaite bonne santé et espoir. Je te serre la main et je t'envoie une petite tortue.
signé Marie. À Monsieur Génard, fabricant d'huile, boulevard de Belleville, numéro 9 à Paris. Nouméa, le 17 juillet 1879. Mon père, depuis que je suis arrivé en Calédonie, voilà la 8e année que je suis resté sans nouvelles. C'est en vain que j'ai écrit. Personne ne m'a répondu. Que t'ai-je donc fait pour mériter un oubli pareil? Me suis-je rendu coupable d'un acte que l'on ne pardonne pas? Je l'ignore. Ce que je crois, c'est que tu ne m'as jamais aimé et qu'au contraire, tu es content de mon éloignement. Aussi, mon intention est-elle de ne pas rentrer, du moins pour l'instant. Cela ne m'empêche pas de penser à toi et à ceux qui, pour moi, sont tout. Et malgré ta façon d'agir à mon égard, je n'ai jamais cessé de t'aimer et de te respecter comme un père doit l'être. Ce que j'ai à te demander aujourd'hui, ce n'est pas de l'argent, c'est une lettre qui me fasse connaître ma position en France, comme famille et comme avenir. Est-ce que vous parlez de moi à la maison? Est-ce que les gens se rappellent de moi dans le quartier? Est-ce que Hélène est toujours là? Je termine en t'annonçant que je suis devenu boucher à Nouméa, très content d'avoir choisi cette profession, car mes petites affaires ne sont pas mal. Ma santé est bonne et je souhaite que ma lettre te trouve de même. Je vous embrasse de tout mon cœur, votre fils, Génard Max Boucher, valet des colons à Nouméa. Extrait du livre de Prosper Olivier Lissagaray, Histoire de la Commune, paru aux éditions Maspero en 1976. Le retour. À Paris, des comités spéciaux attendaient les amnistiés. On les voyait descendre des wagons, secoués encore par 5 mois d'une traversée soumise à la discipline pénitentiaire, le teint basané, coiffés d'étranges chapeaux à larges ailes, vêtus de blouses, quelques-uns enveloppés dans une couverture, le bidon ou la musette en bandoulière, hésitant et promenant des regards inquiets. Ravi quand un cri appelait que s'ouvraient les bras d'une femme, d'un enfant, d'un ami, et douces coulaient les larmes. Mais le pauvre oublié qui cherche et ne voit rien venir, ni celle qui n'a pas eu le courage d'attendre, ni les vieux qui sont morts, d'un pas lourd, il quitte le quai de la gare, va où il peut, jusqu'à ce qu'un camarade le hèle, l'amène au comité de secours, où il prend un repas, reçoit une petite pièce et repart, essaimé dans ce Paris qui ne le connaît plus, le désespoir des éternels vaincus. Tous les bagneux, tous les pontons, tous les forts, toutes les prisons, on regorgeait de malheureux, à moitié nu, le ventre creux, pendant que leurs bourreaux mangeaient de bons morceaux. Dansons la communale et tenons bon, et tenons bon. Dansons la communale et tenons bon, nom de nom. Que voulions-nous la liberté et le bien de l'humanité? Pour nous venger des chenapans, il nous faut faire des enfants et faire des gaillards et de francs communards. Dansons la communarde et tenons bon, et tenons bon. Dansons la communarde et tenons bon, nom de nom. Voilà. Qui était fait en bateau, bien sûr, au départ de Brest ou de Rochefort, qui passait au sud de Bonne-Espérance,
et qui passait le détroit de Bass, ici, sous l'Australie, souvent une escale à Melbourne, pour arriver ensuite en Nouvelle-Calédonie. 6 mois de voyage. Y compris pour le courrier. Donc on espère à l'automne pouvoir venir vous présenter le spectacle qu'on a monté à partir de ces lettres. Ce sera une autre manière de les faire voyager avec une dramaturgie différente. Voilà, mais c'est la première fois qu'on en fait la lecture. C'est peut-être la première fois que ces mots sont entendus puisque ces lettres étaient soit perdues, soit censurées. Elles sont toutes entreposées aux archives nationales de l'Outre-mer. À Aix-en-Provence. Donc, dans les dossiers se trouvent les lettres des gens qui n'ont jamais été lues. Voilà. Nous espérons aussi qu'on pourra s'en trouver l'automne. Il y a une trentaine d'années, j'ai assisté à un spectacle qui a été fait à partir des lettres des gens qui étaient partis à la guerre. Je crois que c'est 14-18 ou plus 14-18, bien sûr. Et qui avait été, qui n'avait pas pu être distribué, et il y a un spectacle qui avait été fait là-dessus. Donc c'est un peu le même thème. Ah oui, 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 oui. Encore plus ancien. Et ici, nous avons un exemplaire de ce qui était plus ou moins trafiqué, puisque certaines des lettres qui ne partaient pas était récupéré par la Chion ou les gardiens, et il y avait un trafic sur le papier qui se faisait et qui se revendait le plus souvent à ceux qui avaient les moyens pour un usage que je ne découvrais pas. C'était mieux que les feuilles d'Araucaria. Oui, c'est sûr. Voilà. Bon, on voit un coup maintenant.